le ballon. Très bien là pour Julien sur le côté gauche. Le centre fort. Le ballon dans la surface de réparation. Le petit crochet. Oh là 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 là, ça passe juste à côté. C'est pas terminé pour les Lyonnais avec Julien. Le centre de Julien. Oh, devant la cage. La parade un petit peu compliquée là de Anthony Beuve qui aurait pu être très dangereuse. C'est pas terminé. La frappe qui passe juste à côté. C'est Patrick Tuta qui revient en retrait avec Atik qui va lancer un joueur dans la... Oh, le but. Oui, oui, le but, le but, le but, le but, le but. Et le but lyonnais avec pourtant le pied du gardien Beuve qui n'a pas réussi, Dimitri, à éviter cette ouverture du score. Avec la grosse faute là. Pour lui faire changer d'avis. Tu as raison, Dimitri. Le carton rouge pour les Lyonnais. Alors à mon avis, on peut l'expliquer sur le fait que l'arbitre a dû voir une marque un peu trop haute sur la victime. Voilà, Tuta qui contrôle parfaitement et qui peut lancer Julien. C'était magnifique de Cédric Tuta. Voilà le petit pont de Julien. Le centre et peut-être le but de derrière. Ouh, ça passe à côté. Quelle action de Julien. Un nouveau déboulé là sur le côté gauche pour Avranches avec ce centre qui était bien joué là. Et la bonne tête de la part de Alistair Bisolon. Et la mi-temps sifflée sur ce score de 1 but à 0 en faveur des Duchérois, réduit à 10, on vous le rappelle. Ils ont récupéré le ballon avec Atik et on va pouvoir rentrer dans la surface, peut-être frapper. On se met sur son pied gauche. Attention, la frappe, ça passe au-dessus. Le centre, ça veut dire, ah oui, ça par contre c'est bien joué. Le ballon de la surface de réparation. Ouh là là, ça frôle la barre. La menace là qui était envoyée. Ouais, avec un nouveau bon ballon dans la profondeur peut-être pour les Lyonnais. Et on va se proposer seul face au but. Et oh, le poteau. Le poteau qui va sauver. Le poteau qui va sauver Avranches. Et c'est terminé ce match qui voit la victoire de Lyon, la Duchère.